Ouais, voilà, carrément. Bon. Alors, on va s'attaquer à la Tour de Londres. Ah bah oui, Albion recrute, donc pas d'air. Est-ce la taupe? Ouais, bah la sécurité de la tour, je connais. Ça va être... Ok. Salut. C'est clair que vous savez bien choisir vos cibles, vous. Vous savez que c'est le quartier général d'Albion, ça, rassurez-moi. On fait pas ça pour s'amuser. Nigel Cass a prévu une grosse annonce. Ça sent mauvais pour la ville et pour nous aussi. Et c'est pour ça qu'on a rejoint DedSec. Tu te rappelles? Enfoiré de Nigel Cass. T'as raison, ça sent mauvais. Dans un pub, t'entends plein de trucs. Et dans le coin, je peux te dire que certains membres d'Albion sont excédés par le statu quo. Je suis sûr qu'on pourra en convaincre un de changer de camp. J'ai même déjà quelqu'un en tête. Intéressant. Tu peux m'envoyer ces infos? Je te ferai passer les infos par Bagley. Bonne chance à toi. Merci. Alors, c'est le quartier général, là? Nous avons repéré quelqu'un au sein d'Albion qui pourrait être recrutable. Ah. Je sais pas trop comment on va pouvoir retourner un mec d'Albion contre son employeur, moi. Ce sont des bandits en uniforme qui abattent régulièrement des civils. Si vous ne trouvez pas un employé désenchanté, l'humanité se porte définitivement plus mal que ce que je pensais. Il nous serait également assez utile d'avoir quelqu'un de l'intérieur. Tant que ça fera illusion, Nigel a un don pour flairer les espions. C'est votre expérience personnelle? Ouais, j'ai pas vraiment envie d'en parler, à vrai dire. Alors, c'est une... Ok, c'est une mission... C'est la mission principale. De recruter. Donc il est à l'autre bout, forcément. Ah, les allers-retours, là. Une petite moto. Oups. Bon. C'était pas prévu, mais bon, en même temps. Tire un cours, c'est ça. Allez. Les gars, j'ai compris, j'ai un rendez-vous important. T'as quoi sur lui, Bax? Il a d'importantes dettes de jeu. Certains se font assassiner pour bien moins que ça. Oh, et notons également qu'il refuse une aide financière d'une amie fortunée. Quel genre d'accro au jeu peut refuser qu'on lui donne de l'argent? C'est louche. Vous avez raison, mais être accro implique souvent de faire les mauvais choix. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Peut-être que son ami pourrait éclairer notre lanterne. Bonne idée. Oui. Bagley, organise une rencontre. Ah. Alors, il est où le friend? Ok. Est-ce que j'ai un point de téléportation? Celui-là m'a l'air d'être pas trop mal. Ah là là. Et heureusement qu'il y a les points de téléportation comme ça, parce que sinon, de marcher pendant des heures et des heures, ça rendrait fou. Trop bien, j'ai piraté le panneau digital. Voilà. Je suis trop un fou. Il y a quoi là? Ok. On va peut-être pouvoir faire une pierre de coups parce que j'ai vu qu'il y avait une quête annexe. Ah. Salut. C'est une zone... Non, ça c'est un Deliveroo. Super. C'est
vachement gentil. Ouais, j'en ai bien besoin. Ok. Un petit peu de monnaie. Salut. Il paraît que t'as besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler de mon ami, c'est ça? Oh mon Dieu, il va bien? Il a de gros ennuis. Continue. Ces stupides jeux d'argent fichent sa vie en l'air. J'ai voulu l'aider, mais il a refusé. Il est parti rencontrer les créanciers du clan Kelly. Il va se faire tuer. C'est moche. Ok, on s'en occupe. Ah. J'ai localisé notre méchant petit parieur dans un endroit qui grouille d'hommes du clan Kelly. On va jeter un coup d'œil. Ok. Alors, du coup, oups, c'était quoi l'autre quête qu'il y avait à faire? Vas-y, let's go faire ça. Comme on est là. Ah. Magnifique. Global British Broadcasting. La première chaîne d'information en Cette personne décédée a téléchargé des lignes de code sur le réseau des Black Cab avant de passer l'arme à gauche. Le réseau a été trafiqué très maladroitement. C'est du codage amateur, enfoncé à la va-vite comme un tube de colle dans une narine d'enfant. Il y a même un commentaire en pièce jointe. Ça dit quoi? Aucun mot, rien que des chaînes de bits, du charabia. Pas assez pour recompiler des données utiles. Tu veux dire qu'un hacker a pris le contrôle de tous les Black Cab de Londres pour tuer les citoyens? Exactement, mais il me faut davantage de données pour le confirmer. Dans ce cas, je suggère qu'on localise d'autres taxis et que l'on collecte plus de chaînes de bits. Cela nous aidera à retrouver ce hacker fou. Cabre. Hop. Bon, ça valait le coup. Alors, clac, où est-ce qu'on va? Où allons-nous? Là, nous. Ça, c'est quoi? Nouvelle mission. Ouais, je la vois pas sur la carte. Nouvelle mission sur la carte. Bah. J'ai pas la mission sur la carte. Ok. Non mais ça va pas. Ça va pas reset quand même. Ah non, attends, c'est peut-être recrute Mina. Non. Oh non. Pas de contact. Non. Non. Oh non. Ça reset. Ok. Mais oh la tristesse. Excusez-moi de gangster. Je sais pas. C'est terrible. Je sais qu'il est parti voir les créanciers. Mais c'est tout. Alors si on met une autre mission, est-ce que ça refait apparaître? Ok. Non, alors c'est probablement... Non, pas la carte.
Bon, on va voir, hein. Et puis sinon, bah... Tant pis. On fera une... Ça sera une mission secondaire. Fail mission secondaire. Enfin, j'espère pas fail. Hop. Mes excuses. Un chat mission update. Mais attends, il y a un truc à faire dans le coin. C'est quoi ça? Destroy the Chronos. Mais pourquoi ils m'envoient comme ça là? Je fais celle-là. Ils m'envoient sur une mission qui est à l'autre bout de la map. On va récupérer les petites là-dessus et ça. Voilà. Hop. Est-ce que voir l'opératif? Bonjour. Je suis DeadSec. Vous avez besoin de notre aide, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vraiment? Je pense que mon rendez-vous d'hier pourrait vous intéresser. Ça devrait être amusant. Ce n'est pas ce que vous croyez. C'était un homme normal, bien que très arrogant. Bref, il se vantait de pouvoir dépenser sans compter parce qu'il détenait des informations sur son patron. Qu'est-ce que ça a à voir? Il travaille pour Jack Hiss, le PDG de l'hôtel des ventes Evangeline. Hiss est un bon client pour nous. Surtout parce que la plupart des siens sont des criminels avérés. Je suis sûre qu'il n'est pas blanc-bleu. Donc mon rendez-vous d'hier détient des informations potentiellement importantes. Tu te sentirais de le revoir? Impossible. Je l'ai rencontré sur Pooler et il a déjà modifié ses préférences. Je ne suis plus son type. En ce qui me concerne, je vous le laisse. Il est tout à vous. Je vais regarder. Bon, allez. Petit Tinder sur Watch Dogs. Apparemment, ce cher Garrett Hendrix actualise ses préférences tous les jours. Actuellement, il recherche un ou une pilote pour Cass. Sérieux? Il rêve peut-être d'une romance criminelle électrisante. Honnêtement, je comprends. J'ai déjà eu un flirt avec un botnet de Macédoine du Nord. On devra trouver quelqu'un qui remplit ce critère. Ouais, mais du coup, il faut recruter quelqu'un. Ok. Bon. Ok. Ça a débloqué ou pas? Non, ça n'a pas l'air d'avoir débloqué. Excusez-moi. Bon. On va tester. Petite mission secondaire là. Est-ce que c'est une mission secondaire? Parce qu'il parle des gangsters tout à l'heure, donc peut-être que c'est celui-là, je sais pas, on va voir. Yeah, yeah. Oui, absolument. Tu l'as? C'est bon, je l'ai. Voilà. T'en fais pas, j'ai compris. Pas sauver tout le monde. On peut battre Batman. Hein. Déjà vu. Point d'accélération. Oh mais attends, c'est des fights ça, non? Pardon, pardon.
c'est là-haut. Et c'est là-haut. C'est une toile, ça? Ouais, tu as la toile, j'ai chier. Ouais, bon, bah, tant pis. Allez, zou. On est loin encore, là, ou pas? Pourquoi ça s'est enlevé? Mais j'avais bien sauvé quelqu'un. C'est une mission de recrutement. Mais j'y comprends. C'est une mission de recrutement. C'est quoi? Oh, la vidéo tourne en rond là. Terrible. Est-ce que j'ai pris une petite entrée là? Comme en atteste la présence de ces vautours, Miss Ahmed doit être retranchée à l'intérieur. Oui, probablement. Je vous suggère de faire appel au peu de finesse dont vous êtes capable lorsque vous irez lui parler. Alors, elle aime pas Detsec. Salut. Laissez-moi. J'ai pas de commentaire à faire. Je suis avec Detsec. Espèce de petite merde, va. Ah, tu kiffes, là, hein? Je vais vous dire un truc. Le chantage, c'est terminé. J'ai plus rien à cacher, de toute façon. Merci, hein? Le chantage? Non, on ferait jamais ça, nous. Ah oui? Vous êtes qui, alors? Les vrais Detsec. Ça va pas, non? On va sûrement pas laisser quelqu'un faire croire que c'est nous. On va le retrouver et lui faire payer ça. C'est trop tard. Mes nudes sont partout. Foutez-moi la paix maintenant. Cela aurait pu mieux tourner. Par exemple, si vous aviez réussi. Faut retrouver l'enfoiré qui est derrière tout ça. Tu peux trouver son adresse, Bugs? Il a forcément laissé une empreinte dans son réseau. Bonne idée. Nous allons hacker son réseau privé, afin de lui prouver que nous ne sommes pas du genre à hacker un réseau privé. Voici les coordonnées. Ok. Bon, moi, ça ferait une petite mission. On va aller hacker un réseau privé, et puis voilà. La résidence de Vanessa Ahmed. Menons une investigation comme à la télé et démasquons la fouine qui s'est mêlée de sa vie privée. Bien reçu. Vous pouvez commencer par interroger l'un de ces adorables individus qui traînent devant la résidence. Peut-être qu'ils savent qui est le hacker. Alors... c'est lui. Petit paparazzi là. Salut. Alors, monsieur. Entre collègues, on peut s'entraider, pas vrai? T'as trouvé quelque chose? On ne voit rien d'ici.
J'aimerais bien avoir un drone pour filmer. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu un drone bizarre qui survolait l'immeuble d'Ahmed quand je suis arrivé. Il s'est écrasé dans les environs. Notre métier n'est pas encore obsolète, apparemment. Cool! Merci de ton aide. Formidable, vous êtes adorable. Cet individu à la déontologie indiscutable semble dire la vérité. Je détecte un signal Wi-Fi intermittent en provenance de la statue à proximité. Cela correspond au profil du drone accidenté. Et alors, t'as quelque chose, Bette? À part cette ignoble insulte, j'ignore qui est ce prétendu hacker, mais il est moins doué pour le piratage qu'un raton laveur mort diplômé en littérature. Non seulement il a pris une éternité pour télécharger cette vidéo de l'appartement de Miss Ahmed, mais il n'a même pas pris la peine d'effacer le point d'origine du drone. Je vous le transmets? Bonne idée. Le drone a été déployé depuis Chinatown. Rendez-vous à ses coordonnées. Vous avez de grandes chances d'y retrouver un corps de hacker inanimé. On va jeter un coup d'œil. Alors... Let's go. Juste ça, c'est quoi? Celle-là, c'est quoi? Ah non, c'est celle de tout à l'heure. Oui. Salut Albion. Ouais. Donc, notre hacker est mêlé au clan Kelly d'une façon ou d'une autre. Soit il travaille pour Marie Kelly, soit il s'est fait prendre en train de faire quelque chose de tordu. Dans tous les cas, il faut qu'on sache pourquoi il a hacké Miss Ahmed. Bien reçu. J'ai manqué l'occasion de le takedown. Good friendly to her. Vas-y, on va tester le nouveau là. Non mais je voulais pas faire ça. La suite, votre camarade vous remerciera sûrement quand ses repas ne seront plus administrés par tube. Je lui souhaite un prompt rétablissement et plein de morphine. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est nouveau, très sympa, dis donc. Y a pas de caméra en face? Ah si. On est au bon endroit, notre homme est ici.
Alors. Il ne semble guère avenant, celui-ci. Spider-Bot. Elle est où la... J'arrive, monsieur. Même comme animation ça monsieur. Hein? Oula. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Okay. Que se passe-t-il? Le clan Kelly m'a chopé en train de lui voler de la crypto. Tu sais, secret DedSec. Ça alors. Tu fais partie de DedSec. Incroyable. Ouais, fais-moi sortir de là et je t'expliquerai. Comme ça. Viens. Voilà. T'es où? T'es là? Safety au milieu de la route. Moyen, quand même. Fais-tu vraiment partie de DedSec? Je devrais pas te le dire, mais vu que tu m'as aidé, bah, ouais, j'en fais partie. Mais évite de gueuler ça partout. D'accord. Tu sais quoi? Viens nous voir au Hackerspace. Et si ça te dit, tu peux nous rejoindre. Je me porte garant pour toi. On va récupérer les crédits, là. L'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. Mais cet imitateur va beaucoup trop loin. Attendrissant à en vomir. Je n'arrive pas à détester cet adorable pignouf. Mais vous ne voudriez sans doute pas qu'il représente DedSec. Pour autant, allons jeter un coup d'œil à son hackerspace. Envoie-moi les coordonnées sur la carte, tu veux bien? Qu'est-ce que ce drone il fait là? Oh, c'est un drone mou, je pense. Il y a du papier là-haut. Ici là, comment je récupère celui qui est là? Intéressant. C'est quoi ça?
Ah, c'est un... Je crois avoir trouvé l'emplacement par... Ah. Ok. À quoi bon risquer votre peau si vous ne récoltez aucune gloire? Avec ses œuvres, les Londoniens savent que d'être sec est de retour et ce regain de visibilité pourrait même en inciter certains à financer notre cause. Oh, c'est cool ça. Oh. D'être sec a du goût, n'est-ce pas? Ouais, c'est pas mal. Ça me dit pas. Ah, ok. Et long job. Yes. Ah. Oh, bah tiens. Attends, est-ce que c'est la police qui arrive parce que j'ai fait ça? Je pouvais passer, ça m'a ouvert quoi? Ok, rien du tout. Ok, bon bah du coup... Retournons à Trafalgar Square. Quelle tristesse qui voulait continuer la mission principale là. On apprendra à le changer, pas faire attention. Ouais. Du coup, c'est là-haut, ouais, ok, c'est ça. Super. Je ne peux pas monter, il faut un truc orange. Deux secondes. Je ne peux pas monter. Par où est-ce que je passe? Voilà, en tout cas. C'est de l'autre côté? Non, je suis en deux. Tari tari. Hop. Qu'est-ce donc que ça? Oh mon Dieu. Anarchiste. Oh, j'ai le cœur qui s'emballe, mais pour le reste, je sais pas trop. C'est un vrai métier? C'est comme si les anarchistes voulaient remettre en question des conventions sociales bien ancrées. Par exemple, ce qui définit un vrai métier. Intéressant. Ouais, ok. On y accède par là, voilà. Et ça, c'est quoi? Monsieur, vous avez des abdos très solides. En cherchant rapidement dans son historique utilisateur, je vois que ces jeunes irresponsables ont déjà fait fuiter quelques scandales. Vanessa Ahmed n'est que la première victime à avoir été repérée par le grand public. Mince! Ils ont rendu public des données sur des liaisons secrètes, des nudes, des fichiers d'adoption. La sainte trinité des bazars intimes que je ne comprendrai jamais. Et en plus, ces voyous nous font porter le chapeau. C'est pas très gentil tout ça. Petit salopio. Si ça le bio. Eh,
Eh bien, on dirait que quelqu'un a un faible pour les dead sec de San Francisco. Ça aurait pu être un bel hommage, si ce n'était pas si bizarre. Comme c'est chou. Enfin, ils ont quand même volé une sextape et fait du chantage à une pauvre femme. Essayons de trouver ce qu'ils manigancent. Bravo. Hey, on a un follower de plus. Comment on déchire? Vive Dead Sec. Ouais. Ok. J'ai récupéré les données. Ces tentatives pour les protéger étaient pathétiques, ça faisait de la peine. Donnez-moi un moment pour tout analyser. Ça roule. On va aller mettre... Voilà. Au moins ça fait une mission de compléter. Je vais aller mettre... Good news is good news. Oh, on dirait que ces pauvres chatons du faux DedSec ont de mauvaises fréquentations. Ils se sont accoquinés avec Big Truth, un blog conspirationniste. Voici les coordonnées. Allez, descends. Voilà. Oh, je suis tellement désolé, madame. J'imagine qu'elle va pas se le relever en plus. Ah. Sorry. Nul doute qu'il y en a d'autres. Ouais. Elle est où l'entrée pour le Spider-Bot? Est-ce que je peux? Non. Il y a un gars là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Barbelé. Ok. Bon. On met un peu de peinture là. Oh yeah. Hop. C'est vraiment l'emplacement idéal. J'aime bien celui-là. Voilà, de l'art pour le peuple.